Bonjour les amis, nous nous retrouvons pour la suite et bientôt la fin de Deus Ex, le premier du nom. Donc on est dans la zone 51, ici même. On nous a... Alors, tout à l'heure, voilà, le problème, c'est qu'on se fait buter par je ne sais pas qui. Il y a un robot aussi. Ça a l'air tendu, ça a l'air tendu. Qu'est-ce que l'on a au niveau de nos armes? Je pense en particulier à... celui-là, qu'est-ce qu'il nous reste comme une 48 coups, ça va, on a de quoi voir venir. Au niveau des grenades, on n'en a que deux. On en a quatre grenades qui vont faire en sorte que qui vont neutraliser les machines. Ok. Bon, on va explorer un tout petit peu avant de voir si ça vaut le coup de buter les chiens. Si ça se trouve, il y a une porte derrière, par exemple. Par exemple. Il y a du chien. Et on a déjà deux en moins. Je pense que c'est pas une mauvaise chose que de se débarrasser des chiens. Ça fait du bruit, ça déclenche les alarmes. Ce magnifique coucher de soleil avec le soleil qui éclaire la lune comme il se doit. De la bonne façon, disons. Vous avez entendu ce que j'ai entendu. Donc visiblement, il y a aussi un robot qui fait le tour. Donc du coup, je vais faire ma sauvegarde rapide. Je crois que je vais... Il est derrière le mur, peut-être. Oui, il est là. Et voilà. Brigitte, si tu nous regardes, ne m'en veux pas. Donc le robot, il doit être à l'intérieur. Et nous, eh bien, faut qu'on aille à l'intérieur. A priori, il faut monter là-bas pour monter ici. Ok. Je ferai bien le tour dans l'autre sens. Si je ne m'abuse, il nous manque un chien. Viens là, petit. Arrête de bouger. Il faudrait que je l'ai, que je me le fasse. Attention au chien. Voilà, il est là. Ça bouge. Bon, ça c'est fait. Maintenant, le coco là-haut. Il est où le coco là-haut? Il est plus là. Coco là-haut, où es-tu? Il y en a au moins là. Ah bah voilà où il est. Petit fumier. Là, j'ai dû me faire tirer par deux personnes différentes. Hein. Donc, il est repassé par là. Bouge pas, bouge pas. Ah, mal dos. Sinon, on va attendre. Hein. On va chasser.
Et trop de précipitation, c'est pas bon. Donc on va frôler le mur, on va aller se placer correctement. On va... non, c'est pas ça. On va sauvegarder et là, on va s'en occuper sérieusement. On est un peu trop près, mais on n'était pas si mal que ça, finalement. Donc là, faut attendre qu'il revienne. On va attendre. On va guetter, on va chasser, on va en finir. Voilà, très bien. On reprend un peu de force, ce qui est normal, ma foi. Donc là, on s'est débarrassé de gens un peu pénibles. De gens au sens large, puisque les animaux aussi. Là, j'ai un peu augmenté la sensibilité de ma souris. Donc maintenant, nous devons rentrer là-dedans. Je suis étonné qu'on nous ne soyons pas encore tombés sur des caméras, des systèmes de surveillance. Ça ne devrait pas tarder. Allez, c'est bon, on est mort. Peut-être pas. La technique du coin marche toujours bien en général. Elle a été époustouflante. Je crois qu'en fait, c'est que je suis à moitié mort surtout. Pas tant que ça, hein. Là, on est tendu. Je vais essayer ça, ça devrait casser la vitre. Un de moins, non? L'idée était intéressante, mais... Pourquoi je suis coincé, là? Ouais. Allez, tue-moi, qu'on n'en parle plus, quoi. Donc l'idée était intéressante, mais pas folle non plus. Comment on pourrait faire? Arriver devant la porte. De toute façon, on n'aura pas trois, ça c'est certain. Les tirer de très loin, par là, si la porte est ouverte. Ah, ils sortent de là ou comment? Ah non, ils sortent de là. J'aurais bien fait la grenade, malheureusement. Il ne me reste pas des masses. Il me reste deux. Ah mais j'ai pas sauvegardé avec la santé. Soigner. J'en ai plus quoi. Allez, j'ai le bras qui est un peu mou. Si on reste là, est-ce qu'ils vont nous voir quand ils vont sortir? Donc, par contre, faut que je passe, je rate tout. Ah, voilà, complètement raté. Et effectivement, ils me voient. Donc c'était pas ça l'astuce. C'était pas ça l'astuce. Qu'est-ce qu'il nous reste à part la grenade, la lacrymo? Là. Donc, ouais, mais comment je vais leur balancer la lacrymo? Ça c'est marrant, c'est un truc, ça a pas pété ni le carreau. Alors, le viseur qui est super long à retirer, bon, c'est pas bon. Oh là 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 là, ça va m'énerver. Bon bah on va passer à la grenade, c'est ça. Vous ne me laissez pas d'autre choix. Oui, c'est pas d'autre choix. À moins que... Il y ait une entrée discrète. Ça n'a pas l'air. Alors, quelqu'un vous ouvre la porte, vous bronchez pas, vous. Rien. Ah,
Non mais je le touche pas quoi, j'y crois pas, ça me fatigue là. Bon, grenade ou quoi? Reste calme, tout va bien. On va commencer par grenade soft. Donc on va prendre de ça, on va ouvrir. Et on leur balance. Ensuite, on prend... Moi, je devrais m'équiper tout de suite. Enfin, autocaleur chargé. Ok, je suis rechargé. Donc, c'est 9. Allez, on y va. Et ensuite, ils seront intoxiqués. Pourquoi ont-ils changé les codes? Parce que... Ils veulent que son groupe ait accès exclusif à la silo. Je suis toujours confiant. Donc le seul couillon qui se fait avoir... Quoi? J'ai plus de mun, mais c'est pas possible. Ok. Vous pouvez y aller, y'a plus personne. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est ici que ça sonne? Bon, faudrait bien que la vapeur, entre guillemets, s'en aille pour éviter... de m'intoxiquer. Ça semble bon. Donc c'est curieux qu'en fait il y en a eu là, mais bon. Ah. On va boire quelques sodas. Je sais, c'est dégueulasse. Un couteau de combat, bah justement, ça tombe bien. Un anneau code, donc il m'a pas dit ce que c'était. Un bon de crédit, un autre bon de crédit. Qu'est-ce qu'il a lui? Une porte matraque, ça m'intéresse pas. Des munes, ça m'intéresse un peu plus. Ça, je peux plus à cause du couteau. Et je ne peux pas le jeter. Y a rien qui traîne là, c'est fermé, c'est un passe-partout. Méthode petit bras. Allez. Non, ça. Les 25, on peut les ouvrir avec ça, mais pas les... Vous n'avez absolument rien vu. C'est pas du tout ce que vous croyez. Pas du tout. J'ai plus de place dans mon inventaire, mais je vais en faire de la place. Donc, accessoire de portée, on peut le mettre sur ça, bien sûr, pour aller loin. Je mettrai plutôt là, on va déjà assez loin avec les deux autres. Toi, je vais quand même te prendre, hein, parce que... C'est pas que, mais c'est tout comme. Les jumelles, non, j'ai jamais été très fan. La première compagnie de reconnaissance, Captain Veronica Orbust, commandant de la compagnie. Très peu de résistance et à 19h45, nous avions sécurisé le silo et les environs en enregistrant des pertes minimales. Rien de plus qu'une bande de scientifiques, la plupart d'entre eux n'étant même pas armés. J'ai détaché un peloton pour le nettoyage et l'identification. Le QG m'a demandé la liste complète des pertes ennemies. On m'a aussi chargé de localiser Howard Strong, l'un de nos meilleurs atouts, et de l'envoyer à l'agent Cario. Voici la liste initiale des pertes ennemies, elle sera complétée ultérieurement. Oh, il y a eu pas mal de tout décédés. Ils doivent être morts, ceux qui sont décédés, non. On rigole, on rigole. C'est bon. Est-ce qu'on a eu un code dernièrement? J'ai la mémoire qui flanche. Les URV, ouais, d'accord, on remonte. Code porte silo 8456. 84... Ah, c'est en deux. Alors ça, j'adore. Moi, j'adore. Voilà. J'adore les codes 1, 2. Je le savais pas. Hein. Je vous jure. Mais c'est comme partout. Hein. Les plus évidents. C'est là où c'est malin.
Ça, je m'en suis jamais servi. Allez, on a un bazooka là. Jamais utilisé cette arme dans ce jeu. En vrai non plus, cela dit. Donc il y a une grosse bébête en bas, ça on sait. Ah pour. Oh là, je vais me péter la tronchinette. Alors est-ce qu'on voit. Oui, on voit du monde. Est-ce que je peux l'avoir de là? Ça m'arrangerait bien. Ça va, copain. Tu m'as pas fait trop mal, je te pardonne. C'est quoi notre mission exacte? Arrêter le lancement du missile nucléaire. Ah, c'est pour ça que ça sonne. C'est que le missile va partir. Ok. Donc, on a un copain qui n'est pas notre copain. Oh là là, il est Where'd pas. he go? Watch yourself. This one's some kind of myth. Ah, c'est vrai que j'ai plus de mun là-dedans en fait. Bon, là. Ah mince, je l'avais pas buté lui du coup. J'avais pas sauvegardé entre. Donc il y en a un autre quelque part par là. Donc là j'ai plus de mun, donc j'ai plus. Ah mais je vais prendre les autres, je suis bête. J'ai la chevrotine normalement. Il pourrait switcher automatiquement quand il n'y en a plus. Oh. D'accord, allez, laisse tomber. Là, ça va être tendu, j'ai intérêt de faire demi-tour assez rapidement. On reste tranquille, on sauvegarde là. Ah non, c'est ça ce que je fais. Ah, ils arrivent. Edin. Donc l'autre, il est toujours là, bien sûr. On avait un deuxième, on ne l'a pas eu. Il va bondir dès qu'on va. Là, on n'a pas d'autre choix que d'aller à la guerre. Une fois qu'on les aura éliminés, il faudra les voir. Le voilà, non? Il faudra. Il est où l'autre? Il en reste bien, non? On peut pas sauter en face. Ce qui est assez embêtant. On peut pas casser par hasard ça avec un bon coup de. Par où est-ce qu'on monte à ce truc-là? Ça doit être là-bas. J'aurais pas dû partir par là. Si, on va monter là-haut. Monter là-haut, montons là-haut. Déjà, on va voir si on trouve pas un truc intéressant. Normalement, on a un cadavre au moins. C'est tout. Alors, inspectons les lieux. Donc, là, on a de la poubelle. Comment on fait pour monter là? C'est ça la vraie question. Là-bas. Peut-être. Descends. On va attendre un petit peu. Dites-moi que ça s'ouvre, dites-moi que ça s'ouvre. Non.
Allez, dépêche-toi. Ah oui, putain, merde. Pourquoi ça s'ouvre pas plus que ça? Je vais me faire buter, mon dieu. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir cette porte? Ça doit s'ouvrir, ça doit être quelque chose, c'est un puits quelque chose, je sais pas moi. Restons cool, tout va bien jusque là, tout va bien. Donc on va essayer. On va essayer une autre porte, hein. Il y en a bien une qui va finir par s'ouvrir. Ce serait pas la meilleure, mais bon. Donc celle-là s'ouvre mais elle s'ouvre pas quoi, hein, c'est ça. C'est ça. Donc 8 de passe-partout, 8. 3, mince, je me suis coffré. Vite. Vite. Il est là, vite. On va sauvegarder tranquillement là, on va aller voir doucement là-haut avant de passer. Pas de quartier là, on n'est pas là pour plaisanter. Donc là, ça va nous faire passer. Ailleurs. Fusil d'assaut, effectivement, je n'ai pas cette place. Ça, on peut rien faire, genre la pirater, non. Donc, faut qu'on traverse l'autre côté. On va aller voir où ça mène. Bah. On va aller voir dans la grille, mais il y a quand même un truc qui m'interpelle, pas vous ? Je vais aller passer, faire un tour, voir ce qu'il y a derrière la grille, ça m'intrigue. On arrive direct dans l'autre maison. D'accord. Je crois qu'on est pas trop mauvais sur le coup. Si ce n'est que ça nous a pas avancé à grand chose pour l'instant. Ça j'en veux pas. On va le prendre puisqu'on l'a déjà et ça en ressort. Hein. Est-ce que c'est le même baraquement que celui? Non. Là, on était là-dedans, en fait. Ils sont où, les robots, là? Ah, d'accord. Il suffit de demander, hein. J'avais pas regardé par la fenêtre combien ils étaient, c'est une erreur. Y'a personne? Viens me réparer. Viens me donner mon pourcent qui me manque.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à récupérer? Qu'est-ce que je lâche, le couteau? C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de massacres au couteau, je m'en excuse hein, pour les fans de... Ah, c'est ça qui l'empêchait, d'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette machine là? Ça m'arrangerait bien parce que... Non, c'est juste pour le fun du décor. Allez, je vais manger un peu. Je vais reprendre le couteau, on sait jamais. Donc on va descendre par là. Je ne sais pas où est-ce qu'on va atterrir exactement. Notre lampe sabre. Bon, on descend, c'est plutôt bon signe. On descend. Et que peut-il bien y avoir après? On le saura dans le prochain épisode. Ouais, je sais, je suis pas cool. Je sais. Allez les amis, à bientôt. Nous sommes dans le silo à missiles. Sachez que je pense que nous sommes très près de la fin de cette série. Si vous regardez plus tard, vous allez vous en rendre compte en fonction du nombre d'épisodes. Mais si vous le regardez là, en réel, en tout cas, en temps réel, à peu de choses près, eh bien, pas forcément. Donc, ne ratez pas les prochains épisodes. Ceux qui sont en direct ou qui regarderont d'ici demain, dimanche, je ne sais pas combien, 25. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre 2016. On sera donc le 25 demain. Rendez-vous demain après-midi pour certainement la fin de Deus Ex. Donc, vers entre 16 et 17 heures pour le début des streams. Pour les autres et pour tout le monde, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir vu ce petit film. Enfin, ce petit film, cette grande aventure. Allez, salut.